Ça va être parti pour 70 km de randonnée avec un ravitaillement dans un endroit superbe. Oui. On va commander ça. Il chope ton moteur. Cherche pas. Il n'est pas blessé. Allez, c'est parti. À 12h30, c'est le repas exotique. À 15h, la fameuse et fabuleuse course de lenteur où tout le monde est convié. Attention, il faut respecter le minimum les consignes de sécurité, c'est-à-dire ne pas doubler par la droite. Hein. Il va y avoir des gens avec des gilets jaunes tout au long du parcours qui vont vous rappeler à l'ordre si certains le font. Thank you.
passer là, oui. Bon, dis alors. Allez, tu vas. Je suis dans le clair, malheureusement. Ok. Là, ça a été une journée exceptionnelle et on a tout eu, on a eu le temps magnifique, on a eu énormément de participants, plus de 260 mobilettes ce matin sur la route. Bon, du public très très nombreux, toutes les animations, toute la journée. Ça a été vraiment une très très grosse journée, réussie à 100%. Journée marquée par la convivialité, les gens sont repartis heureux, voilà, avec le sourire, ils sont arrivés avec le sourire. Reparti avec encore plus gros sourire, c'est vrai que ça, toujours pareil, cet événement est multigénérationnel. On voit des enfants, on voit des jeunes rouler en cyclo de 14 ans, d'autres beaucoup plus âgés, 70 ans, 75 ans. Voilà, c'est vraiment ce qui caractérise notre manifestation. Il leur tarde une chose, c'est de revenir déjà. Mais ils nous en parlent tous, hein, l'année prochaine. Nous, on n'a pas fini la soirée, il y a encore des repas, encore 500 repas à faire, bon, mais on y pense, on sera là.